coup. Bonsoir YouTube, bienvenue pour un épisode du Grand Tour de la tournée d'Amérique. Voilà, voilà. La Tesla Roadster. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai trop de trucs. Je sais même plus où mettre ma souris. C'est affreux. Il y a trop de bordel. De la boisson, toujours important. On n'est plus sponsorisé par Evian, ils sont partis avec la cagnotte. Du coup, j'ai trouvé un nouveau sponsor, c'est Eau de Perrier. Pour l'instant, il paye, donc ça va. Bon, bah allez, hein, moi je lance. Hein, pendant ce temps, je m'emmerde pas. Hein. J'ai envie de rouler, j'ai envie d'avancer sur le jeu, surtout. Parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie de progresser. Bon, ça, tu prends pas des voitures troll, tu prends des voitures stroll. Bonsoir Adrien. Allez, bon là ça va. Hein. Là c'est facile. Hein. Là je m'emmerde pas, c'est facile. Je suis en train de réfléchir à des voitures troll à acheter, mais je vous avoue que. Ah je vous. C'est vrai que cette voiture s'appelle Karma. C'était écrit dans les lignes. J'ai réfléchi à des voitures troll en fait, c'est ça qui me saoule. C'est que vu que maintenant on commence à taper des compètes avec un gros niveau de PP, et ben du coup ça devient compliqué de trouver une voiture troll, une voiture rigolote à conduire, sachant que bah les voitures troll voilà, c'est les voitures les moins performantes du jeu souvent. Donc faut les tuner à fond et même en les tunant à fond bah ça suffit pas. Alors bon. Allez cassez-vous. Waouh, c'était pas dingue. Hein. Hop. On va se mettre un peu en vue extérieure quand même, histoire de. Ouais. Très bien. On est déjà 5e. Oh là là, mais ça se fait tout seul. La tournée japonaise est terminée. Oui. La tournée japonaise est terminée. J'ai clean up la course qu'on avait pas gagnée. J'ai fait de mon côté, je suis en 2-2, voilà. J'ai envie d'avancer. Demande à ton grand-père payer pour les voitures et les bonnes pépées. Aïe. Au secours, quel humour. Vous êtes très drôle dans le chat. Haha. Allez, casse-toi. Tu vois devant c'est une Viper Concept coupée. C'est une voiture magnifique. Eh bien nous allons la démonter. Comme une tente Ikea. En vrai t'aurais pu acheter le Jay Leno Tankard. C'est vrai que j'aurais pu l'acheter. Ça veut pas dire qu'on va pas l'acheter. On peut très bien prendre ce véhicule là pour une autre compète. Hein. Ça se tente. Ça peut se tenter. Là, en fait, le truc qui est chiant, c'est qu'on rentre dans des compètes qui durent un petit peu. Allez, 4 tours de Laguna Seca. C'est un peu chiant. Mais bon, on les fait quand même. J'aime bien le jeu. Oh là là. Tellement de puissance. Puissance de l'électrique. On a le critère zéro. C'est une voiture Anne Sinclair approved. Est-ce que c'est un gage de qualité? À vous de décider. Alors, je freinasse. J'accélérasse. Et voilà. Oh. Merci Totor qui offre un abonnement, une grosse intelligence. Iron Vache, merci beaucoup.
Elle doit pas être encore disponible, l'emote. Attendez, je m'en pousse deux secondes. Je vérifie juste. Je vérifie juste un truc. Normalement, non, bien sûr. Non, pas encore. Elle est encore en attente d'approuvement. Tant pis. Ce sera pour plus tard. Ah oui, mais... Ah, merde. Il faut que je pense que j'ai des effets de voix. Beat. C'est n'importe quoi. Hein. Je pinaille, Michel. Faut que je change l'alerte quand les gens follow et que je dise... pseudonyme devient un Michel. Putain, faut que j'y pense à ça. Je vais oublier. De toute façon, je vais oublier. Je suis certain. Hop là. Bon, on se fait chier, hein. C'était vachement cool cette compétition. Voilà, la voiture est tellement puissante. Avec ses 200 chevaux. Que. Voilà, il n'y a pas de rivalité possible. Je joue toujours avec la voiture de Greta. Bah, je fais la compète avec la voiture de Greta. Et puis je la lâcherai après parce qu'elle est, elle est trop forte. Elle est trop forte, cette petite Tesla. Je pensais pas qu'elle serait aussi... Je pensais pas qu'elle serait aussi OP, en fait. Très franchement, je m'attendais à galérer plus que ça, vu qu'elle a pas tant de puissance, mais en fait, elle est apparemment légère. Et, bah, ma foi, elle s'en sort bien. Bonsoir, Jimmy. Tu veux pas faire quelque chose à chaque follow comme le mec d'hier? Oh non. Je peux pas faire quelque chose, moi. Je peux pas. Ou alors, il faudrait que je change l'effet de voix à chaque fois, mais c'est horrible. Tu me diras, je pourrais en plus, hein. Mais ce serait un cauchemar, hein. Je peux vous dire que pour vous, ce serait un cauchemar. Bon, bah voilà. Tu regardes, c'est le cauchemar, Angela. Allez, une de fête. Encore 46 000. Wouh! Ah, la voiture qui est finie dans l'espace, ça. Et bah si! C'est bien ça, en effet. C'est la voiture qui a été projetée dans l'espace. Attendez, je regarde. Hein. C'est le petit point Gran Turismo sur Twitch. Connard. Oui! Nous sommes devant GT Sport! Le connard! Le connard! Oui! Nous l'avons fait! Merci! Oh! Oh! Ça va être long. Putain, 6 millions de pépettes! Ça en fait de la pépette! GT6, c'est un peu comme avec Williams. Pas dernier, fait une grosse remontée. Je pense qu'en plus là. Faudrait que je regarde, mais ça va être long. Attendez. Non! Connasse. Oui, bah oui, de toute façon, il y a que les deux jeux là où il y a des lives, où il y a des viewers. Donc nous représentons le GT. Avec le plus de spectateurs en live mondial sur Twitch à l'heure actuelle. Et pour ça, bravo. Bravo. Aïe, 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 aïe. Allez, partez. Oui, je m'amuse, hein, parce que je m'emmerde un peu dans le jeu. En fait. Hop, je fais un gros dive bomb de pute. Ça passe. Petit extrait des familles. Petit extrait des familles. Hop. Ça passe tout seul. Des pneus Michelin pour la course. Ah!
Merde! Voilà, elle me fait faire des conneries. Je ne vous applaudis pas. Casse-toi! Merci. Ok. Putain, mais il y a une Viper. Il y a une Viper en face. Il y a une Viper. Je puterai une Viper parce que j'en ai rien à foutre. C'est honteux. Regarde la ligne droite. Regarde la ligne droite. Le non-respect de la ligne droite. Bon, le non-respect dans les virages, d'accord. Ouais, quoique. Quoique. Allez. Allez. Franchement, il me met pas la grosse piquette. Hein. C'est pas dingue. Allez. Police. Police, arrêtez-vous vos papiers, s'il vous plaît, vous êtes beaucoup trop lent. Mon Dieu. Comment osez-vous rouler aussi lentement avec une Dodge Viper? C'est honteux. Casse-toi, toi. Ta voiture en plastoc, merci. Oh, c'est fou, ça. Allez, hop. Ça c'est fait. Merci, au revoir. Ah, trop facile ce jeu. Beaucoup trop facile. Mets-toi en écho sinon c'est chiant. Non mais vous inquiétez pas, hein, la prochaine compétition on va s'amuser parce que la prochaine compétition que nous allons faire, normalement. C'est le retour de la panda. Donc ça va être génial. C'est la panda contre des supercars. Ça va être ouf. Donc voilà. On fait les courses en pogo. Ah! La barre panda GTISS. Oh, y a tellement de trucs dégueulasses dans ce nom. Comment allume la clim à fond. Au secours. J'allume la clim et je passe de 200 chevaux à 80. Je vis bien dans ma voiture électrique. Putain. Il y a encore deux tours à faire. Oh, c'est si long. Oh, punaise. Oh, mais... quelle est l'abruti qui a eu l'idée de faire ce jeu? Oh, ouais. Fais comme un F avant, change de voiture dans les pits. Ah. Panda TSS Pike Speak. Pourtant c'est pas un 4x4 hein. Bonsoir Gabi. C'est pas un 4x4 hein. Je l'ai pas. Malheureusement c'est pas comme Forza où Forza tu peux changer la transmission. Tu peux passer ta voiture d'une traction avant à une propulsion ou à une 4 roues motrices. Malheureusement tu peux pas. Panda VSS Quadri Turbo. Stage 23, 4200 chevaux, au secours. Ta compète Forza c'est pour bientôt. Ah, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. C'est des machins, c'est des trucs que je pense comme ça. Et puis. Franchement, je suis pas certain de.
pas certain de comment je vais faire. En fait, Forza, je vais peut-être attendre le prochain Forza, donc Forza 8, pour faire des trucs dessus, je pense. Là, en soi, déjà, on va voir demain, on va voir Grid, comment le jeu est, s'il est cool à jouer et tout et tout. Et du coup, on organisera peut-être des trucs sur la version PS4 du jeu, du coup. Peut-être des petites compètes sur une soirée de live. Voilà. Ça peut être un truc sympa à faire. Oh là là, mais... Oh ouais, non, mais vivement la panda, hein. Là on s'emmerde, hein. C'est trop facile. Le jeu est trop simple. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le live. Bienvenue. Merci d'être là. Oh terrible. Il sort sur One ou sur la serrette? A mon avis, il sortira sur la nouvelle Xbox. Ils vont attendre la sortie de la console et ils vont faire comme pour Forza Motorsport 5. Ils vont utiliser le jeu comme vitrine technique pour montrer de quoi est capable la nouvelle console de Microsoft. Je pense franchement qu'ils vont faire ça. Allez, c'est gagné. Une compète en moins. Merci. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin pouvoir passer à quelque chose de plus sympathique. Tac. En tout cas, Forza Horizon 4 va tenir un moment. C'est leur but de faire tenir le jeu. Ouais, je pense qu'à mon avis, il va pas tenir très longtemps. Repeint la panda en rose. Non, pas toi. Toi. Ah, si seulement je pouvais la transformer en limousine. Aïe 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 aïe. Petite question, Grid, c'est plus arcade ou Simu? C'est arcade. C'est plus arcade. Même si c'est pas. Si je mets arcade, Simu, Grid il va être là. Excusez-moi, j'ai eu un peu de vomi. J'ai remonté. Bonsoir à tous. Je la veux, tu la vends combien? 1000 milliards. Putain. Ah, quelle voiture. Quelle voiture. Alors, bon, maintenant qu'on l'a repeinte. Festival des supercars. Je reviens pas de faire ça. Il y a la Sarthe. Il y a Monza aussi. On va déjà faire Silverstone, et en fonction de ce qu'on est capable de faire avec la panda, on va peut-être acheter le NOS. Je reviens pas de ce que je suis en train de faire. Oh mon dieu! Aïe! Pute! Oh, saloperie de casque. Ça me chope les cheveux. Je vais tout raser, je vais me faire la boule à zéro. Je déconne, hein, bien sûr. Prenez pour qui, moi? Alpha Cast?
Putain. J'ai pas vu ce qu'on affrontait. C'est pas grave, la surprise n'en sera que meilleure. Ok. Ça va être dur de trouver une panda rose en miniature. Non mais non. Ah, j'aurais peut-être pu regarder les pneus, j'aurais peut-être pu mettre des pneus. Oh, j'avais oublié qu'elle était devenue dégueulasse à conduire. Oh la vache! Trop de puissance! Putain! Con Jensen Benton. Elle a trop de puissance à l'avant. Elle a trop de puissance à l'avant! Ah la vache! Je crois que c'est mort. Je crois que la panda peut plus. Je crois qu'elle peut plus. Ah, et puis 3 tours en plus. Ah bah oui, paye ton luxe, toi. Ah. Vache. Tu me fermes pas la porte. Tu me fermes pas la porte. C'est... Ah non, c'est une 6 étapes. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était une Bugatti EB110. Et je me suis rêvé à dépasser... Putain, mais accélère. Je me suis rêvé à dépasser une Bugatti. Mais passe les vitesses, merde! Oh là là, oh là là, oh là là. Je la perds. Ah, passe. Elle peut plus. Elle ne peut plus. Faudra acheter un Xantia. Ouais. Ça se trouve, on va passer au à la Fiat. Je rêve trop des Fiat dans ma vie, moi. À la Citroën Xantia, peut-être. Parce que là, la panda est trop lente. Ah, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées, hein. Il y a plein de compètes dans le jeu. Il y a encore de quoi faire, hein. Mais là, à mon avis, la panda, c'est mort. Hein. F for panda. Ouais. F for panda. Même s'il y a peut-être encore une ou deux compètes à laquelle elle pourrait tenter de participer, j'ai bien peur que la panda vit ses derniers jours. Je suis quand même... Ah non. Oh, c'est une 599 quand même. Fiat is better than Ferrari. Avec mon great accent English. Allez. Gazer Driver Civic 80. Ouais, je regarde à quoi elle ressemble. Bon, bah voilà. Hein. Malheureusement. On va quand même dépasser la 599 parce qu'on a une race. Voilà. Quand même. Parce que on peut se le permettre. Ah là là. Pff. Jamais elle la passe sa vitesse. Jamais. Bon bah voilà. P7, c'était pitoyable. Ah oui, il y avait des belles voitures devant quand même. Diablo, Murcielago, Aventador, SLS, ok. Bon. C'est chier. Je suis un peu déçu. Bah oui, festival de supercar, je vois pas où est le problème. Moi perso, je vois pas de soucis. C'est moins ennuyé, oui, ça c'est vrai. Toyota Yaris, ça passera pas. Ça passera pas. Non, on va regarder. Alors attends, je vais regarder les Honda hein, quand même. Mais à mon avis, la Xantia, ça me plaît bien comme idée.
Alors attends, Honda. Qu'est-ce que c'est Honda? Ah, celle-là. Bon. Je crois que l'autre, je l'ai en plus. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ouais. Celle-là, je l'ai en plus. Ok. C'est pas assez rigolo, je trouve. Elle est où? Citroën. Voilà. L'Accentia. C'est gris, ça, c'est pas bleu. Hein. C'est gris. Qu'est-ce que c'est con les couleurs chez les voitures françaises? Rouge pivoine. Vert libellule. Allez, je vais l'acheter en vert dégueulasse. Voilà. 2 litres 140 chevaux. Ça, c'est de la voiture qui envoie du pâté. Putain, les pixels. 3 litres V6. Oh là 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 là. Ah oui, j'aurais dû la prendre en rouge pour Jean-Claude Convenant. Putain. J'avais oublié ce détail à la con. Le V6. C'est que ça fait un beau bruit. Oh merde. Alors. Bien sûr, hein, là, il faut mettre de la puissance. Il faut mettre plein de choses dans la voiture. Déjà, on va mettre un petit ordinateur sport. 245. 271. Oh. On peut pas mettre de turbo. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette honte? Bah ok, bah fais péter. Je vais la faire monter à 300 chevaux. Je suis comme ça moi, 315. 315 chevaux. Ça c'est de la Xantia ça. Oh là 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 là. Hop. Merde, les freins. Les années 90, ils sont appelés, je vais rappeler leur bagnole. Au secours. Hop. Le poids. On va regarder déjà avec le poids qu'elle fait là. On regardera ensuite. Hein. Sport tendre, hein, bien sûr. Sport tendre. Je vais la garder avec ses 2,5 tonnes. Au moins, elle pivotera bien dans les virages. Par contre, bien sûr, on va regarder si on peut pas mettre un petit aileron. On peut pas mettre de turbo dessus. Attendez. Oh oui. Ah. Oh. Merde. Oui. Oui. J'ai changé la suspension déjà. Qu'est-ce qui quoi? Je sais pas, je m'en fous. Bonsoir Galax. Tu n'as pas vu mon message. Ah. Comment ça? Tu n'as pas vu mon message? Bon. On va mettre des jantes, hein? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Pfff.
Oui. C'est trop bien. C'est trop. Oui! Oui, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est trop bien! En vrai, il y aura qui pour savoir? Ça reste encore à définir. Aux horaires que je t'ai donné, Despiélo peut pas, donc peut-être que j'en modifierai un de live vers les 18h30 pour essayer de le ramener. Sinon, j'ai demandé à Hydro et puis à Orupteur de venir. Donc on verra. J'ai pas de confirmation, c'est pour ça. Bon. Pire, je fais tout seul, hein. Moi je fais des merdes, hein. Je suis capable d'animer un live tout seul. N'est-ce pas? Oui. Oui, je peux. Oui, oui. Bon. Pa. Oui, c'est bon. Ok. C'est un peu le dîner de con pour moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on va retenter ça. 440. Mais attends, parce que je pense à un truc, mais... Ah ouais, la... Elle fait 100 chevaux de plus. 1 tonne 5. Elle fait 800 kilos de plus. Ouais, elle va peut-être la ralléger un petit peu. Mais peut-être pas. Hein. Il va peut-être falloir... Attendez. Là, effectivement. Je peux pas. En fait, j'ai peur qu'en l'allégeant trop, après elle devienne inconduisible. C'est ce qui s'est passé avec la panda, on l'a trop allégée, elle est devenue inconduisible. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète. T'as oublié d'améliorer une piste du moteur, je crois aussi. Ah bon? Peut-être. Je vais mettre un niveau 2. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, mais attends, si, parce que si, oui. dis donc. Allô. Ah oui, j'ai oublié ça. Je m'en fous, je laisse l'argent par la fenêtre, je m'en fous pas les couilles. Tant qu'il n'y a pas éclairé et argumenté. Hein? J'ai pas compris. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas. ok. Putain, il va falloir que je la change cette bonne vitesse de ses morts. Une SLR, bien sûr. Ah non, bah Max sous le pilote, disons que j'ai pas de soucis avec lui ou quoi que ce soit. C'est juste que moi je lui ai déjà parlé 2-3 fois par Twitter et je n'ai jamais eu de réponse. Donc du coup bah voilà. 280. Allez! Profitez du bruit. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oh, oh, oh. Oh la vache! Oh la vache, un paquebot! Oh la vache! Ah!
Ah, sa mère, elle. Ça marche pas, hein, Alexandria. Hein. Hop là. Allez, casse-toi. Merci. Oh putain. Tellement lourd. Hop. Allez. Ah. Vache. Heureusement que j'ai mis la nitro. Hein. Je vous dis pas à quel point c'était une bonne idée. Ah. Allez. Envoie la sauce. On la challenge. Hein. On la challenge, on a rien à foutre. Ok. Allez, on remet tout. Filivri, faut recharger la nitro. Putain, mais le pire. Le pire. C'est qu'on va faire deuxième. Allez. Premier, on n'y arrivera pas. Mais deuxième. Deuxième. Ouais, casse-toi avec ta SLR. T'as pas compris cette équipe. Putain, en fait, on a fait un remake de Taxi, mais tout pourri. C'est trop bien. Allez. Allez. On voit la purée. Putain, c'est quoi devant? C'est une Aventador? Mais casse-toi! Ah non, c'est une Murcielago. Allez. Oh putain. Oh vache. Ah. Allez. Oh oui. Oui. Non. Yes. Oh putain. J'ai cassé la manette. Non. Oui. Oh. David et Goliath. Ah, oh, tellement. Oh. Tout ça pour 30 000 balles. J'ai dépensé au moins 200 000 boulas dessus. Oh, la vache. Oh. J'ai chaud. J'ai chaud. Ah putain. Merci Totor pour la grosse intelligence. Ah putain, attendez. Je refais ça bien, excusez-moi. Merci Totor pour la grosse intelligence offerte à Kiro Kirol. Citroën fait son entrée en blanc-pain GT3 avec la Xantia. Ah putain. Ah, ce serait magnifique. Ah, ce serait magique, quoi. Putain. Ça, vous voyez, genre, le dépassement de la Xantia sur la Murcielago, je l'espère que quelqu'un l'a clippé pour aller balancer ça sur Twitter en citant mes... Des gens de la communauté sim racing en disant: alors biatch, c'est qui le patron?
Alors, Monza. Bon, ça va aller, Monza. Allez, hop, on bourre. Il y a la chicane. Ah, il y a la chicane. Ah, la chicane, ça pue, par contre. Hein. Alors là, on va pas se mentir, la chicane, ça pue. Attendez, je tente un... Ah, je peux pas dive mon B. Attendez, hop, pousse-toi. Merci. Et on bourre. Et on bourre, 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 et on bourre. Faut que je fasse gaffe, faut pas non plus que je gâche trop mon os, mon N2O, trop vite. Faut lancer le hashtag. Merde le chat! Putain, oh la vache! Taguer les fesses portes. Oh non, au secours. Une F40? Pas un problème. Allez, hop, l'inté. Parce que... Allez, j'en mets pas plus. Oh. Secondes 3 pour tenir, hein, pour tenir. Alors que nous rattrapons une Murcielago. Oh, j'en ai rien à foutre. Hein. Hop, un petit peu de noce. Enfin, j'en ai bouffé beaucoup. Hein. Ah non, mais il y a plus de 1200 voitures dans le jeu. Faut bien qu'il y en ait certaines qui servent à quelque chose. Oh, c'est une Reventon. Ah! Bah, tchuss, hein! Putain. Allez, bum draft. Bum draft, gros. Bum draft. Vas-y. Vas-y, gros. Allez! Oh là là, c'est pitoyable. Oh là, le transfert de masse. Le transfert de masse, quoi. Le premier, il est tellement loin. Oh, merde. Ça sent la PS. Je suis le seul homme sur Terre à utiliser la pendelle, Xantia. Allez, la SLS. Je crois que t'as pas compris. C'était qui, ton papa? Je lui fais les freins, en plus, hein, parce que je respecte plus rien. Moi. Hop, allez, c'est bon. N'oublie pas le dernier tour. Ouais, non, mais quand même pas déconner, hein. Alors là, si je gagne à Monza, c'est... Enfin, voilà, c'est l'apocalypse. Hein. Demain, il neige, hein, je vous préviens. Allez pas à l'école demain. Il y a 10 cm. Allez, je bourre. La SLR. La SLR. Un petit coup. On décale. Il fait les freins. Énorme cette seconde 6. Hein. Bon, voilà, hein. Hop, trajectoire IndyCar. Ça passe, je bourre. Ok, et maintenant je prends l'aspi. Ça marche pas. Si ça marche. Ah, oh, si ça marche même très bien. Salut! Comment ça va? Allez, hop! Voilà, ok, ok. Lina Monza, PLS de la commission Racing. Non, 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 tu restes derrière. Tu me pousses. Pousse-moi. Pousse-moi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Connasse. Je gagnerai. Je finirai jamais premier. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est beaucoup trop loin le premier. Ralentis, s'il te plaît. Putain, 5 secondes 3, mais c'est énorme. Allez, hop. Allez. Oh, putain. Il a quoi comme voiture? Je crois que c'est une Lambo. Je suis pas sûr, parce qu'il est loin. C'est pas une Enzo? Oh, si c'est une Enzo, c'est dingue. C'est une dinguerie.
Oh putain. Oh putain. C'est une 430 ou c'est une Enzo? Oh, c'est une Enzo. Attendez, là c'est pour l'aérodynamisme, hein, que je me baisse, hein, bien sûr. Attendez. Hein. Ah non, loupe pas tes freins, hein, loupe pas tes freins. Ça va jouer dans la parabolique. Ça va se jouer dans la parabolique. À fort bourré. Putain, il va tellement vite. Oh la vache, il va tellement vite. Freine, freine, freine. Ah, je l'aurai pas. Je l'aurai pas, elle est trop lourde. Ah, fais chier. Ah, c'est honteux. Putain, on va. Ah, j'ai fait un mauvais tour. J'étais lent. Ah là 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 là. 2 secondes 3. Franchement. Ah, j'ai mal joué mon coup. Vite avec tout ça. Ah là là. Mais on fait quand même 2 étoiles. Ce qui est vachement bien. Maintenant, on fait le. Maintenant, on fait la Sarthe. Si seulement t'avais un turbo. Putain, mais oui, si seulement. C'était pas un moteur Atmo de ses morts. Oh là là. Pff, on aurait de la reprise, quoi. La Sarthe. 3 tours. Oh non, non, non. Je le fais. Non. Non. Non, 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 non. 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 Super long, 3 tours. Attendez, c'est... Oh, c'est long. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh là là. T'as pensé aux pneus? Bah oui oui, j'avais déjà fait mais. Oh. Il y a les chicanes. On peut gagner du temps sur les chicanes, hein. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il n'y aurait pas les chicanes, ce serait même pas la peine. Mais même, enfin même, c'est. Bon, faut jouer, hein. Faut jouer le jeu. Et le pire, c'est si je la gagne pas, faut que je la refasse, moi. C'est pas le genre de course que j'ai envie de refaire. Black Betty ou quoi la musique là? Allô? Dans tous les jeux de course que je fais, il y a Black Betty ou quoi? 16 à 18 minutes. Oh. Ça va être long. Ok. Hop. On respecte plus rien et on bourre. Je crois que ça va être long. Allez, c'est bon, pas besoin de mettre plus. Y a pas besoin. Putain, 260. 270. De toute façon, elle est bloquée à 280, hein, donc. Ah merde, elle est bloquée à 275. Ah la bitasse. Ah la bitasse. Oh, ça tente le 3 de fond devant pendant ce temps. Yes.
ce toit de là. Ah merde, t'aurais pu me pousser toi. Tant pis. Allez, 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 allez. Je te fais les freins, tu m'excuseras. Oh putain, ça va être long. Allez. Deux minutes, on est toujours dans l'île d'hier. Tout va bien. Non, non, tu restes derrière. Oh, ça passe. Oh la vache. Allez, on revient un petit coup de boost. Bon, non, on s'emmerde. Hein. C'est con, on s'emmerde. Mais j'avais dit que c'était pas une bonne idée la Sarthe. Hein. Je vous l'avais dit. Là. C'était pas jouable. Attendez, alors c'est peut-être sur cette partie du circuit qu'on peut remonter par contre. Mais comme c'est une partie un peu plus sinueuse, attention. Ah non, parce qu'en fait, il n'y a que des lignes droites de mort sur ce circuit de pute. Oh putain. Oh. Citroën Xantia, elle est si lourde. Elle est dégueulasse. Allez. 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 Tape pas le mur. Oh. Oh. Oh la chicane, je pourrais tellement la couper si j'étais une pute. Oh. Pff. Allez, c'est bon, hein. Casse-toi. C'est dur. Non, non, non. Pousse-moi. Pousse-moi toi aussi. Oh, vous êtes chiant. Allez. La TZ23. Magnifique Alfa Romeo. Concept car, bien sûr. Que je ne respecte pas. J'ai décidé de ne rien respecter dans ce jeu. Vous le savez. Donc, je ne respecte rien. Quatrième. TZ3. Merde! Ouais, mais entre la C, la C, machin, et puis celle-là, fait chier. Hein. Oh. 4.30. Oh. C'était long, mais en même temps, c'était très court, 4.30. Hein. Ça tourne en combien une GT sur la Sarthe? Juste, histoire de savoir. .330. Ah ouais? Non, une GT, hein, j'ai dit pas un proto. Hein. Oh, oh, oh. Oh là 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 là, c'est si lent. Putain, c'est si lent. GT 340, sérieux? Bah les protos ils tournent en combien?
En 3-10. Ah ! Putain, mais je la remonte. Hein. C'est ça le pire. 3-15. Ah. Pour le GT Pro 2019, 3-50. Ah bah alors ! Oh, faut pas dire des conneries, voyons. Putain, il y a une gestion du temps. On va pas rouler la nuit en Xantia quand même. No es posible. $3.49 record au. Franchement, c'est pas dégueu, hein, 4.30. La mini-far en Xenon. Non. Ah, je me fais remonter. La texture qui est dégueulasse sur les roues arrière. Je sais pas pourquoi elle est comme ça, mais elle est dégoûtante. Ah, ben j'ai peut-être été touché à l'arrière-train. Ouais, peut-être que c'est ça. Oh là 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 là. Voilà, j'espère que vous vous amusez bien sur cette course palpitante. Je garde tout mon os pour le dernier tour en fait. Là j'essaie de sauver les meubles pour faire podium. Parce que je pense que je vais pas réussir à faire mieux. Bonsoir Bibu. Bienvenue sur le live. Mais casse-toi toi. Oh là là, oh là là, oh là là. On le voit hein, le premier, hein, mais il est loin. Hein. C'est que c'est loin, c'est que ça. 12 secondes 4. Ouais, c'est compliqué. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh l'exté. Oh l'exté de toute une vie. Aïe. C'était une LP 640. Hein. Je tiens à le dire. Je ne respecte plus rien. Je prends ma chicane, je prends ma deuxième chicane, et voilà. Et le beau. J'arrive, je vais me sentir, je risque pas de repartir. Eh bien, tu as bien fait. Voilà. Les nouveaux Michel. Les petits Michel. Ah non, non, mais j'aurais pas dû freiner. Ah oui, c'est la Zonda devant. LOL. Il reste la Zonda et l'Enzo. Un grand moment de gaming qui s'annonce. Allez, casse-toi. Casse-toi avec ta poubelle. Allez, merci. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Allez. Allez, j'en mets pas plus. J'en mets pas plus. Ça va venir, vous inquiétez pas. C'est Jackie Tuning 25-0. Oh, 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 oh. Allez. Allez. Une seconde 3. Incroyable. Qui change mon pseudo pour Kevin du 62. Putain, j'étais plus lent sur le deuxième tour. Mais là je vais battre le record là. Je vais battre mon record. C'est certain. Putain, j'ai. Putain, va falloir tout remonter sur le dernier secteur. Ça va être affreux. Complètement un cauchemar, ça va être. Allez. Ah, c'est toujours Kikuchi. Connard.
de lui qu'on n'a pas gagné à Monza. C'est à cause de Kikuchi. Allez. Allez. Et là, je mets la fin. Et là, je mets la fin. Et maintenant, c'est la dernière ligne droite. C'est là que tout se joue. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez dans le chat? Dites-le moi. Il y a un plan, ils disent pas du tout. C'est pas très gentil. Je vais vous montrer, moi. Je vais vous montrer le pouvoir de l'Axantia. Allez. Allez. Non, allez, putain, elle va tellement vite. C'est affreux comment elle va vite, cette saloperie d'Enzo. Mais moi je vais vite ailleurs. J'ai peut-être pas la vitesse en ligne droite, mais j'ai la vitesse en virage. Allez! Oh là là, ça tient la corde! Allez! Oh putain, non. Oui! Yes. Wouhouhou. Putain, j'aurais gagné Monza, j'aurais tout fait avec cette Xantia de ses morts. Merci YouTube. À la prochaine.